Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mon portable. Oui j'en ai eu un nouveau, donc voilà, donc je vais commencer déjà par vous dire la marque. Alors c'est pas une marque très connue parce que je voulais pas me faire remarquer, donc c'est Logicom. Alors je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez dites-moi dans les commentaires si vous en avez un et lequel c'est, parce qu'il y en a plusieurs. Donc alors moi le mien, alors je sais pas s'il y a des couleurs différentes, mais moi le mien je l'ai pris en noir. Ouais regardez ma tête, donc moi le mien je l'ai pris en noir parce que je trouvais que ça faisait classe. Ouais. Donc, par contre, ça reflète là. Oh, c'est horrible. Voilà. Alors, donc le derrière, c'est un derrière comme tous les autres. La marque en première classe, donc Logicom. Après, moi, dans mon Logicom à moi, il y a un détecteur d'empreintes digitales. Donc, le petit rond là, attendez. Voilà. Donc, le petit rond qui est là, ici. Ce rond là. Comme ça, en fait, il y a juste à mettre. Bon, bien sûr, ça va pas marcher si c'est pas votre portable, mais vous mettez votre empreinte digitale ici, et logiquement, ça va vous ouvrir la page. Après, moi, j'ai vu que je le sécurisais, j'ai mis empreinte digitale plus mot de passe. Autant dire que si un jour mon empreinte digitale s'est bloquée, bah, je pourrais toujours essayer avec mon mot de passe. Et même chose avec mot de passe, vice versa. Alors, ici, on a la petite lampe. Et ici, donc on a l'appareil photo, l'appareil vidéo, tout ça. Alors, vous me direz dans la vidéo à quoi ça sert ça. Enfin ça. Bon, je trouve que ça fait classe. Mais à part ça, vous me direz. Alors, donc comme vous voyez, il est fin. Là, on a là où on peut brancher le câble USB. Alors moi, je l'ai chargé ce matin, donc il est à 100%. Et ici, on a pour les écouteurs. Alors dans la boîte il y a les écouteurs inclus, je vous les fais pas voir. Alors donc voilà comme ça, donc on va l'allumer. Voilà, donc c'est alors là sur le film avec un Samsung Galaxy S7 ou S8, je me rappelle plus. La qualité, en fait, j'ai un petit problème pour la qualité. Faut que je remette les paramètres. Mais là, en fait, la page au début, là, la page quand j'ai allumé Logicom, elle est pas en. Logiquement, le signe il est pas en bleu mais en vert. Et les cubes là, vous devez y voir en blanc bleu, mais en fait c'est pas en blanc bleu mais c'est en vert. Donc c'est juste le Samsung qui voilà. Alors bien sûr je vais déverrouiller le portable, mais je vais pas vous faire voir le mot de passe parce que sinon il y a des gens qui me connaissent qui pourraient en faire bah voilà. Alors regardez. Donc, là, vous avez un petit signe en bas. Attendez, voilà. Là, vous avez un petit. Alors, par contre, j'ai mis la veille, elle se met vite fait. Je le réglerai. Mais là, vous avez un petit signe en bas. Bon, là, vous avez le téléphone. Et là, vous avez un petit signe. Spinosaurus Gaming. Ok, bon, ça, j'irai voir plus tard. Attendez. Dégage. Alors, voilà. Alors, ici, vous avez un petit signe verrouillé. Alors, c'est très facile pour le déverrouiller. Ou vous mettez l'empreinte digitale. Ou alors, attendez. Ou alors vous faites glisser la page et vous faites le mot de passe. Alors attendez, je vais faire le mot de passe. Tac, tac, tac. Alors quand vous faites le mot de passe, le téléphone il vibre. Alors je sais pas si on peut y enlever, mais si vous aimez quand ça vibre, on va vous servir. Alors, donc vous arrivez sur une page comme ça. Alors pour déverrouiller la page, ou vous laissez votre doigt appuyé sur le petit signe déverrouillage, enfin je sais pas comment vous appelez ça, et vous avez un menu. Vous pouvez aller directement sur ce qui vous. Donc, exemple là, c'est pour choisir vos applications, messages, tout ça. Alors, attendez, je vais aller. Pour déverrouiller, c'est très facile. Il faut juste aller sur le signe du cadenas déverrouillé. Ou alors, si vous voulez pas vous embêter, et ben vous mettez votre empreinte digitale.
Tac tac. À un point digital. Attends, je vais la remettre. Tac tac. Et ça déverrouille. Donc alors moi mon menu il est simple, j'ai pas changé le fond d'écran du menu. Après, regardez. Alors moi. Alors donc là vous avez le truc. Attendez. J'ai fait une boulette. Donc là vous avez vos notifications, enfin votre système. Vous avez votre compte en haut. Alors moi mon compte. Donc vous avez vos utilisateurs, tout ça. Donc là vous avez la page. Donc moi j'en ai que deux de pages bien sûr. Ah, le fond d'écran, je trouve qu'il est un peu normal, donc je vais le changer, hein. Ouais. Donc moi sur ma page, perso, les applications que j'ai mis, bah, les applications qui me servent le plus, autant dire, attendez. Google, YouTube, bah YouTube, pourquoi je pourrais en enlever, hein. Voilà. Maps, Chrome. Attendez. C'est pas très pratique avec une main. Ouais, mon nom de main elle est là, mais je l'utilise pas tout le temps. Voilà. Donc là, il y a les jeux. Alors, Pocket Camp, je vais le désinstaller. C'était juste parce que je voulais vous faire voir le jeu. Parce qu'il y a des petits qui m'ont mis en commentaire. Ouais, tu nous parles dans ta dernière vidéo de Animal Crossing, mais que tu pourrais nous faire voir. Moi, j'aurais répondu oui, mais je vais pas le faire au public. Après, ils ont dit allez, s'il te plaît, pour ta chaîne. Moi, j'ai dit ok, c'est bien pour mes abonnés. Donc peut-être que je vous le présenterai. Galerie, Battle Force de Galaxy. Bon ça, je vous l'avais déjà présenté dans la vidéo dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille de la regarder. Cats, donc Cats aussi, c'est un jeu. Angry Birds Star Wars 2. Donc voilà. Donc là, on a les paramètres. Play jeu, donc j'ai un compte dessus. Et là, il y a musique et calculatrice. Donc musique, j'en ai, voilà. Après, là en bas, il y a les applications secondaires. Alors, dans Play jeu, juste pour ceux qui voudraient voir. Donc c'est un peu comme tous les. Alors là, par contre, il faut juste que ça gère. Alors, mon compte, c'est comme ça. Hein. Donc, ça s'actualise, voilà. Donc, mon compte Gen6 YouTube. Donc voilà, bon, voilà, ça vous regardez pas. Avec ma petite page d'entrée, hein, comme tous les jours. Là, les derniers trophées. Coupe de bois, ça c'était dans la ligue de bois dans 4. Niveau 5 atteint, bon ça. Après victorieuse, ok, bon voilà. Attendez. Voilà. Donc voilà, donc là vous avez les jeux, les trophées, tout ça. Attendez. Hop là. Donc comme vous pourrez le remarquer, je n'ai aucun trophée là parce que j'ai installé il n'y a pas longtemps. Après vous avez jeux d'arcade, tout ça. Donc voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour pour ce téléphone. Donc je vous conseille de l'acheter parce que, enfin pour ceux qui ne veulent pas se faire remarquer. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, dont un que je connais bien, qui se la crânent au collège, genre qui ont un Samsung Galaxy S7, S8, tout ça, qui se la crânent, ils ont juste ce portable pour se la crâner, ils s'en servent presque jamais. Voilà, donc si vous n'êtes pas de ce genre, je vous conseille ce portable parce qu'il est simple. Enfin, il n'est pas si simple que ça parce que vous avez l'empreinte digitale, tout ça. Mais après, si vous avez un portable qui se passe pas trop remarquer, bah voilà, c'est ça. Et aussi, bon, là j'ai pas mis de coque, mais sinon la coque, hein, vous pouvez en trouver, je pense. Hein. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout. Alors vous avez aussi la reconnaissance, vous savez, sur les portables, des fois vous avez juste à dire OK Google et ça vous l'offre. Bon là je n'ai pas mis la reconnaissance, mais vous pouvez la mettre, hein, bien sûr. Là je peux parler, regardez exemple, Zen 6. Bah, attendez. Zen 6. Voilà. Hein? Gen 6? Attendez. Zen 6. Zone 6, il devient fou. Ouais, bon, voilà. Il comprend pas très bien. Je comprends pas pourquoi. Ouais. Tac, tac, tac. Attendez, ça charge le clavier. Tac. Et ce qui est bien sur ce portable, c'est qu'il n'y a pas trop de lag. Bon, voilà. Il n'y a pas trop de lag. Genre, des fois, je vois des vidéos de portable où il y a des gens, leur portable, donc là au-dessus. Des fois ça lague un peu et donc en fait eux quand ils veulent essayer de faire tourner la page comme ça, et ben ça marche pas. Bon attendez. Ouais, bon là c'est vrai qu'à une main c'est pas pratique. Eux quand ils veulent essayer de faire tourner la page comme ça marche pas, ça bug. Donc voilà. Donc c'est tout pour le portable. Donc bien sûr vous avez les boutons ici.
Donc ce bouton pour revenir au menu normal et ce bouton pour monter le son. Alors allez, comment ça fait? Ça c'est pour monter le son. Donc là vous avez la sonnerie, sac sac. Et le bouton pour revenir au menu normal. Tac tac. Donc là ça l'éteint. Tac. Je le rallume. Donc là il y a le signe empreinte digitale, ce qui veut dire que je peux mettre mon empreinte digitale. Tac tac. Attendez, non reconnu. Alors des fois ça me fait ce coup parce que je l'ai mal positionné. Voilà. Donc là ça me remet sur mon menu. Donc là, vous avez toutes les actualités. Et pour éteindre, c'est très facile. Vous laissez appuyer 3 secondes. Même pas. Là, vous avez redémarré les modes avion, tout ça. Vous cliquez sur éteindre. Et OK. Et hop là. Et voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment le portable simple. Vraiment simple, vous voyez. Donc, ça n'a pas d'animation, mais ça vibre. Ah bon, on n'a pas entendu cette fois. Et la chance. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a appris quelque chose ou même si vous cherchez un portable et que ça vous a donné une petite idée du portable que vous pourriez vous acheter, bah mettez-le dans les commentaires bien sûr. Abonnez-vous bah comme toujours. Et ceux qui sont abonnés, bientôt je vais faire un concours où vous pourrez peut-être avoir la chance de gagner une surprise. Je vous dirai pas quoi. Le concours sortira peut-être dans 2 ou 3 mois. Je verrai. Ou peut-être même dans 3 semaines, même pas. Une semaine. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le dans les commentaires si elle vous a plu. S'il y a des... Si vous... Aussi, petite nouveauté. Si vous voulez que je fasse des vidéos, genre si vous voulez que je fasse une vidéo sur un jeu vidéo, et bah vous me le dites. Exemple Fortnite, tout ça. Vous me le dites dans les commentaires. Et je vous ferai parce que moi, je regarde toujours l'avis de mes abonnés avant mon avis à moi. Donc voilà. Allez, salut.